Kamel Bouyaïch, PDG de la société InBody Algérie. Donc nous sommes représentants de InBody en Algérie. Et nous représentons cette marque qui nous vendons des analyseurs de composants corporels. C'est le fameux InBody 770. On équipe les médecins, les laboratoires, les nutritionnistes. On est dans l'analyseur de la composition corporelle. Et on a une idée sur la composition corporelle détaillée de la personne. Donc, on a les muscles, la graisse, l'eau corporelle. On a une idée sur la densité osseuse. Et on peut capter la sarcopénie, l'ostéoporose, l'ostéopénie. La symétrie musculaire, donc la rééducation, on peut faire aussi pour les enfants d'un bas âge, à partir de 3 ans, on peut faire un bilan avec des courbes de croissance. On peut retenir, calculer le poids sec d'un patient dialysé, donc il y a le poids sec réel, il y a le métabolisme de base, l'apport calorique recommandé, il y a l'angle de phase qui est l'état de santé de la membrane cellulaire, donc on peut avoir des problèmes cellulaires, on peut capter s'il y a un problème. Donc vraiment, il est très important pour les médecins. Si on peut le considérer comme un appareil de prédiagnostic. Donc il y a plus de 50 paramètres en 50 secondes. Et c'est des paramètres fiables qui n'utilisent pas les données empiriques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire mais les statistiques. Donc ils sont dans la mesure directe. La mesure directe. C'est pourquoi les grands hôpitaux utilisent le InBody 770. La NASA l'utilise pour les astronautes, les grands clubs, le Barça, le PSG, Real Madrid. Birir, par exemple, l'université de pharmacie de Marseille, il crée au B. On a les universités de sport aussi, qui m'a Batna, Bouira, Alger, donc l'utilisent même pour la recherche scientifique. Vraiment, ils utilisent le InBody. Donc, Raham Farhanin, nous on est contents que cette technologie. Alors, il y a des gens qui sont connus en Algérie. Donc, sincèrement, nous sommes très contents.